Faut bien faire la différence entre ces deux manières de faire, car l'une va vivre dans l'instant et l'autre va avoir un peu plus de chances de survivre au fil du temps. On distingue souvent ces deux conceptions du format vidéo sur Internet pour la simple et bonne raison que l'un d'entre eux est uniquement là pour tenir au courant, de parler d'un fait d'actualité ou en l'occurrence dans ma branche d'activité d'un film qui a marqué l'actualité durant un temps donné, un temps souvent limité en tout cas en général. Alors que de l'autre côté, nous avons un format qui aura certainement une durée de vie un peu plus longue, qui parviendra, peut-être entre les mains soit d'autres créateurs, soit de concepteurs, soit de cinéphiles, à gagner un aura qui permettra à ce petit billet d'humeur, souvent révélateur d'une pensée, de pouvoir se faire une idée un peu plus large d'un sujet ou d'un personnage qui aura marqué votre regard sur le cinéma, tout simplement. On le sent, j'ai un regard un petit peu biaisé là-dessus, parce que pour moi, le format chronique est beaucoup plus intéressant que le format critique. Une critique est souvent confuse. Par moments, cela se résume souvent à une simple vidéo rapide en face cam où l'on donne son point de vue sur une œuvre de 7e art. Cela nécessite peu de montage et surtout, cela nécessite simplement d'avoir vu le film ou l'œuvre que l'on va aborder pour chercher à en donner un avis. La chronique est plus large parce qu'elle peut se contenter de parler d'un film, mais elle peut également chercher à aborder quelque chose de plus. Cela peut être une chronique sur un sujet d'actualité, cela peut être une chronique sur quelque chose qui nous touche personnellement. Bref, à partir du moment où l'on parle de chronique, cela veut souvent dire qu'il y a un peu plus à côté, qu'il y a une véritable interprétation personnelle, un engagement, bref, une manière de regarder le cinéma ou ce que l'on aime avec son propre œil. En soi, ces deux manières de faire sont très intéressantes. Ce qu'il faut simplement avoir en tête, c'est que l'une va avoir une manière de penser qui est de l'ordre de la réflexion et l'autre va être de l'ordre plutôt de l'avis. Poser son avis ainsi donne souvent lieu à une base critique et intime qui va être de l'ordre de l'investissement personnel, parce que l'on va chercher à créer une réflexion et un objet qui va mettre en forme cette réflexion et qui du coup va nécessiter du travail, va demander que l'on se pose en tant que créateur et que l'on admette que l'on va passer du temps à créer quelque chose qui aura une certaine gueule pour le spectateur qui la regardera ensuite. Que vous choisissiez comme format d'expression l'un ou l'autre, l'idée est la suivante. La seule question que vous devez vous poser, c'est dois-je simplement rester dans l'instant, et dans ce cas créer un format rapide et anecdotique, mais qui soit clair et limpide, ou dois-je essayer de créer un format qui me prenne plus de temps et d'investissement, mais qui aura un œil plus personnel sur un sujet qui l'est tout autant. Passé ce choix assez drastique, la prochaine réflexion sera la suivante. Est-ce que ce format doit être plutôt long ou plutôt court ?